Alors c'est comment ton prénom? Antonin. Et toi? Cédric. Bonjour, moi c'est Fred. Moi c'est Xavier. C'est la première fois c'est David. Bonjour David. Et toi c'est comment ton prénom? C'est Olivier. Jean-Michemuche. Jean-Michemuche. Tiens dis donc, t'as une belle barbe en tout cas. Merci, merci, merci. Bon là-bas derrière il y en a qui se cachent mais c'est on la connaît tous, hein, voilà. Tu as vu? Et toi c'est Thomas. Voilà, donc t'es le bof. La Jacobine. De Jacobine, de Jaco. Bon Jaco on le présente plus, hein, voilà. Il y a une grosse chaîne YouTube avec des millions d'abonnés. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Faut venir. De toute façon, faut regarder les deux vidéos, hein, les gars. Voilà. Faut pas y couper l'une ou l'autre. Aucune concurrence. Aucune préférence. Voilà. Pour le partage et le plaisir. Exactement. Et toi, c'est comment ton prénom? Laurent. Bah moi, c'est Francis. Francis. Ouais. Marco Polo. Marco. Ou Marcus, plein d'astuces. Fabrice. Fabrice. Très bien. C'est comment ton prénom? Jam VTT. Jam VTT. Tu sais, la fusée, là, la torche. Là, c'est les têtes de houblon, comme on vous appelle. Ah, c'est bien, ça, les têtes de houblon. Ouais, les têtes houblonneuses. Donc, c'est Fred et Fabrice. Fabrice. Un grand merci à vous pour votre accueil. Crevez-en! Il y a Thierry qui a crevé déjà, qui est déjà à plat. Ouais. Thierry, finalement, son pneu était juste dégonflé. Il n'a pas vérifié sa pression de pneu le matin avant de partir. C'est pas bien. Alors aujourd'hui, pour vous, la team et les fans de Ludoflamme, nous sommes en deux roues pour cette race. Donc, on nous l'a souvent dit, hein, donc on est là. Les Irlandais sont là. Alors la difficulté aujourd'hui c'est de se suivre parce qu'on est quand même assez nombreux, je pense qu'on est au moins une vingtaine. Là on suit la queue leu-leu, donc voilà, on a un rythme vraiment compliqué. Le but c'est de s'harmoniser, de s'étaler un peu, d'où l'intérêt quand vous organisez des traces comme ça, des parcours, de bien fournir le GPX. Là il y a eu des petits jus là. Passage sympa là. Bah allez, je vais profiter de filmer un peu les fesses de Madame Flamme. Ouais, je les vois tous les jours, c'est vrai. Mais c'est là, vrai. Il va en faire profiter tout le monde. En fait. Bah tu y es régulièrement pourtant sur une péniche? Non? Ah d'accord. Pardon, c'était sale. J'étais même pas là. Toi c'est normal que t'aies pas la ref. Ça me rassure même. Donc il y aura un autocollant, un sticker Ludoflamme aux Canaries. Je vais mettre ça tout en haut du volcan où j'ai prévu mon ride. Ah bah il va pas faire long feu alors. Non non. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est des autocollants de bonne qualité. Hein. Ah, c'est bien, c'est gentil. Il n'y a rien à dire. Hein. On sent bien l'épaisseur et tout. C'est... Et je te l'ai donné, hein, je te l'ai pas vendu. Hein. Qu'on soit. Bien, hein. Ça va faire taire les mauvaises langues aussi, ouais, ça. C'est ça. Voilà. Je m'appelle des jaloux. C'est ça. Ouais, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, du sale monde YouTube, quoi. Exactement. Des mauvais youtubeurs. Mais ça, c'est pas grave, les haters. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont besoin de ça pour vivre. Je les ignore maintenant. Oui. Et je m'en porte, ouais, je m'en porte pas plus mal. Une vraie sortie gravel là. Hein. L'année prochaine pour moi. L'année prochaine le gravel? Ouais ouais, là, pour un Papa Noël je vais demander ça. Bah tu vois là pour tu papa, pourras. À travers les vidéos du dos. Je compte sur toi. J'envoie le lien à ma femme. Il y a un message là, ouais c'est ça. On voit le lien à ta femme, on sait jamais. Moi je peux rien faire, la mienne elle est là aujourd'hui, j'ai déjà un gravel donc. Par contre je lui avais envoyé le message pour un 1040 de chez Garmin. Ah ouais. Et devine quoi? Tu l'as vu? Eh ben il est là le 1040. Putain c'est bien. Eh ça c'est beau hein. Ouais. Elle est bien ma femme. Voilà, je profite de cet arrêt momentané pour parler de la box pédaleur. J'ai la gourde de cette box du mois de juillet. Les embouts comme ça, moi j'adore parce que voilà, ça coule pas partout. C'est vraiment pratique. Elle est assortie avec mes couleurs. Bon là je suis un peu rouge aussi avec la casquette d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu depuis le début. J'ai la casquette modèle été, grip grab. Voilà, nickel, merci pédaleur. Allez on continue.
Fred qui est devant moi, l'initiateur de cette sortie, avec un beau Scott Spark. On arrive au marais de Harleux. Yeah. Mets la vitesse. Fais la voiture balai, Ludo. Apéro. C'est Instagram ici. Tu veux que je tienne ton vélo par la roue arrière? Non, t'inquiète. Tu sais que la dernière photo que j'ai fait comme ça, il est tombé. Ça m'a coûté ça. Ah merde. Ouais, j'étais sur la voie ferrée, ça coupe inutile, ton vélo est tombé. En fait, je l'avais calé dans les rails. Et il est tombé. Bon, ça va, il n'y a pas eu un train qui est passé dessus? Non. Heureusement, il n'y a plus de train qui passe sur cette voie. Oh, j'avais pas vu ça, T'as vu ça? Ah, mais si, ouais, je l'avais vu sur le net. C'est la selle de Pascal Fruleux. Ah, c'est celle-là? Ouais. Parce que lui, il en avait pas mal à vendre là. Bah, ouais, il en a essayé plusieurs et ouais, celle-là, moi, elle me va bien. Des logos, je crois. Et des... ouais, c'est ça. Celle-là, c'est une quoi, ça? C'est une selle Italia Flow, Super Flow, qui coûte un bras. Ah, ouais, bah, ça pique. Mais heureusement, toi, voilà. Quand t'achètes à Pascal, t'achètes des produits de qualité. C'est tu ça, vois. Ouais, exactement. et moins cher, et moins cher que dans le commerce. Oui, bah, donc grâce c'est, à lui, c'est voilà, grâce à lui. Merci Pascal, on te salue. Sur mon VTT, c'est sa fourche. Ah ouais, bah voilà. Donc, c'est notre revendeur officiel. D'ailleurs, j'attends qu'il s'il nous entend. Dès que tu changes ta DVO, pense à moi. Nous rentrons dans les marais de Oisy-le-Verger. Ah ouais, non, je la réussirai, ouais, non, c'est même pas la peine. Sens, peux, bah, non, c'est impossible. Bah, donne ton vélo. Non. Donne ton vélo. Il y a des gens sympas quand même, hein. Attends, ça... Ah merde, c'est le bordel, là. Ça va aller? Il y a des vélos qui font des bisous. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, t'es plus sympa que moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as voulu essayer? T'as voulu essayer? Dans ta tête, t'avais envie, mais non. Jamel! C'est resté que dans la tête, c'est pas descendu jusqu'aux jambes. Exactement. Toi aussi, t'avais envie d'essayer, mais tu t'es rendu compte que c'était pas possible. C'est chaud, hein. Moi, j'ai fait comme toi. Je suis allé jusque-là et après, j'ai dit non, c'est mort. Toi, t'es pas mal parti. Marc, il a même pas attendu d'être sur la bosse pour être à pied. Ouais, bah t'as fait comme nous en fait. T'as regardé, t'es allé jusque là et puis après t'as dit non. Y a pas de possibilité de passer. Non, ça grimpe trop là, c'est trop raide d'un coup. Tu veux que je tienne ton vélo comme ça, tu peux. Non, ça va aller? Vas-y. Ouais. Ouais, ils vont pas glisser, ouais. Vas-y. Vous êtes les derniers? Non. Oh, oui, on a encore un. Oh non. Ouais, c'était. On aurait pu. Hein. Ah, y aurait je crois pu. Que t'es le seul à avoir essayé. Pas mal. J'ai bien fait de rester. Y'a encore quelqu'un derrière toi? Non. Ok, ça marche. Voilà, on vient de faire la photo officielle de la sortie d'aujourd'hui. Une sortie bien agréable, bien sympathique. C'est là où on voit que ta transmission elle est pas adaptée parce que c'est à la base un vélo de route. Ouais, parce que c'est croisé. Ouais, puis elle bouge pas mal aussi. Ouais, bah ouais. Après la chaîne, l'autre elle est pas un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Elle est comme toi, elle est dégraissée et fatiguée. Mais c'est une forte brûlante. Bah comme toi. Tout pareil. Quand je me mets au grand plateau, là je sais pas. Sur un coup, je sais même pas comment on voit pour adapter la taille. Alors là, j'ai suivi un tuto l'autre jour pour le mien et c'était déjà bien compliqué. Petit lapin. Nous étions sur la voie verte entre Harleux et Hamel. Je ne sais pas ce que font ces barques ici, mais je suppose que c'est pour le marais qui est juste là-bas derrière. Je pense que toutes les barques ici
Elles n'ont pas vu l'étang depuis quelques années. Je me trompe peut-être, parce qu'il y a quelques cadenas. En tout cas, elles subissent les affres du temps ici. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais il y en a quelques-unes là, ici en bas, au premier niveau. Elles sont recouvertes d'une tôle pour éviter de subir les affres du temps. D'ailleurs, on voit celle ici, là, le plancher, il est bien abîmé, alors que juste à côté, le plancher a été restauré. Bon, ça va, ça se passe bien, tout le monde se rencontre, tout le monde se parle. Bon, à la fin, on se mélange, là, je l'ai pas dit. Pas grave. J'ai bien fait de ramener ma femme, alors. Oh là, on a entendu, on se solidarise totalement. Hein. Je vais lui dire après que tu l'as ramené comme un muscle. Le staminet du moulin. Tiens ma chérie, ravito improvisé. Ça fait quoi d'avoir une grosse barre dans la bouche? Ça change. Ça change de d'habitude. Bah, quand tu sais que t'es vu 4-5 fois, tu te réfléchis. Hein, ouais, c'est vrai. Nous si blanc chez Rose. Merde. Ah, cranberry, oui, c'est super. Ça va, elle, c'est bon pour la santé. Ça va, parce qu'elle, elle peut regarder avant la diffusion. Non, mais dire, non, ça va trop loin. Elle sait bah, comment. Si tu savais tout ce que j'enlève. La personne qui sent la crampe arriver là. Non, pourquoi? Ah, une petite. Ouais. Ah, ouais, c'est notre spécialiste, c'est Monsieur Cramp, il est là. Alors, c'est bon? Elle est bonne? Mmh, tu peux goûter un petit peu? Parce que bon, normalement, c'est ma boîte, quoi. Je plaisante. Voilà, donc, barre de céréales de cette box du mois de juillet. Très, très bon. Un bon petit ravito improvisé. Et voilà, tout le monde est là. On va repartir. On vient de quitter le canal et on retrouve les chemins de plaine. Un petit vent de face aussi, là. Ah, on va manger de la poussière là. Petite montée à 5%. Ouais, salaud. Ah bon. Bien joué Ludo. Faites pas rouler, hein, après d'enchaîner comme d'autres accélérations. Attention, dépassement, je vais prendre une petite photo. Donc, comme je disais, à la fin il y aura un petit cadeau. Ouais, d'accord. Chacun repartira avec un petit présent et j'ai eu un peu de pub par mon boss. D'accord. Donc, et ton boss, il travaille dans quoi alors? Alors, je travaille à la bière du ch'ti. Mais dis donc, il fallait le dire tout de suite. Tu vas avoir les aides. Heureusement que tu l'as pas dit avant parce qu'on serait trop. Hey, donc, ouais, j'ai... donc publicité quoi. Voilà. T'es la bière du ch'ti à. Bénifontaine. Eh ben, merci la brasserie Castelin Bénifontaine pour les bières. Voilà. Et puis les goodies alors. Avec, ouais, c'est ça. Et puis merci à toi pour la rando. Ouais, bon, y a pas de soucis, voilà. Hein, ça m'a fait plaisir, ça me tenait à cœur. En fait, les goodies, c'était ça. J'avais pas capté. Donc, si on peut, après, si on peut reprendre chacun une bière dans la main et puis faire une petite. Ouais. Donc, c'est ça pour toi, un goodies, un cadeau. De toute façon, le VTT, c'est sandwich pâté bière pour moi à chaque fois à la fin. Génial. Donc, c'est. Bah, écoute, à la prochaine alors. Ah, c'est beau. Hein. Eh. Il s'est pas foutu de notre gueule quand même. Hein. Ah, non. Bah finalement, Ludo, on a quand même réussi à rouler à deux. Bah ouais, tu vois, c'est vrai. C'est bien achalandé et c'est bien présenté. Ah, ouais. Et tout ça pour 0€, c'est mieux qu'une rando en fait. Voilà.
Un grand merci à vous pour votre accueil. Je vous en prie. La trace était super. Ouais. Bon, on a raté quelques singles, on était bien malheureux. Hein. Mais par raison de sécurité, j'ai bien compris que. Ouais, pour le terrain de Crozard. Il faut éviter les accidents. Surtout quand on organise des trucs comme ça, c'est vous les responsables. Ouais, bah ouais, voilà. Donc, mais bon, on est rentré à l'heure pour le ravito, donc c'est le principal. C'était tranquille, sympa tout, voilà. Impeccable. Bah, merci à tous de votre présence. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite balade tranquillou là. Ouais, mais c'était bien agréable. Bah, maintenant, place au festin. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et bah voilà, merci de nous avoir suivis. Et puis à une prochaine. Ciao.